Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette carte qui nous présente le policier, limite atteinte, figure d'autorité, arrestation, stop. Limite atteinte. Est-ce qu'il est temps d'assumer ton autorité? De mettre ton pied à terre, de mettre tes culottes, comme on dit. Attendez, je vais demander une carte mot. Assez, c'est assez. Il y a bien des limites. Continuons. Stupide. Qu'est-ce que ça vous dit? Une personne aurait manqué de jugeote? De discernement? On a été con, on a été conne. Est-ce possible? Stupide. Mais continuons. Explorons. Allons-y avec quelle carte? Attendez un peu, je vais y aller avec les cartes jaunes. Qu'est-ce que vous voulez me dire, là, ici? Bon, on nous parle d'une relation sans engagement. Attendez. Une relation ouverte. Continuons notre exploration. Bien là, on nous parle de quoi? Être entouré de requins. Peur, se sentir en danger. Il est question de quoi? De relations? Une personne se sent menacée? Attendez, je vais demander une carte. Je vais demander une carte sur le plongeur, entouré de requins. Les requins qui lui tournent autour. Quelle est cette histoire aujourd'hui? Fascination. Fasciné par... Par quoi? On aime le danger? Le risque? En quoi as-tu été stupide? Tu t'es mis dans une situation à haut risque? Continuons, on verra bien. Où est-ce qu'on s'en va? Aidez-moi à comprendre. On nous parle d'une relation ici, un lien. En quoi as-tu été stupide? Le cadeau. Tu as accepté quelque chose? Tu as manqué de discernement en lien avec le cadeau.
Ouverture, le cadeau, ouvrir la boîte. S'ouvrir la boîte. Une personne a trop parlé? Ou tout simplement, une personne a accepté. Écoutez, on est entouré de requins. On s'en va vers quoi? Le cadeau, la surprise. C'est peut-être aussi une personne qui a un don, qui a des facultés extrasensorielles et qui aurait manqué de jugeote, qui n'a pas écouté sa guidance intérieure, qui a manqué de discernement. Que voulez-vous me dire avec le cadeau? Est-ce que tu as accepté une promotion? Est-ce que tu as accepté un pot de vin? Est-ce que tu as accepté? Continuons, on verra bien. Vous voulez me dire quoi avec cette histoire-là du cadeau-là? C'est un homme dans ses pensées. Un homme qui réfléchit. Il réfléchit à quoi? Il réfléchit. On nous présente l'appel, une personne qui veut exprimer ses sentiments, une personne qui veut t'exprimer qu'elle tient à toi. C'est un homme, là, ici, qui veut communiquer, qui veut entrer en communication. Qui veut partager quelque chose avec toi, qui veut partager, s'ouvrir. Stupide, là, vous voulez me dire quoi? Est-ce que c'est une personne qui aurait été naïve, inconsciente, innocente, une personne innocente? Il y a quelqu'un ici qui veut s'ouvrir, t'exprimer ses sentiments. C'est un masculin, là, qui pense. Il pense à ça. Il pense à communiquer. C'est quelqu'un ici, il y a une personne qui aime se mettre dans des situations à haut risque. On dirait qu'on aime le danger. Pour cette carte-là, vous voulez me dire quoi? Ici, là, je rencontre réellement un homme passionné. Oui, très passionné. C'est le mot stupide, là, qui m'accroche. Stupide en quoi? Stupide en quoi? Allons-y avec une carte sur stupide. Stupide et avec la carte d'une personne de loi, stupide. Vous voulez me dire quoi? Stupide d'avoir mis une limite, d'avoir cessé, d'avoir mis une limite à... D'avoir refusé un cadeau? D'avoir refusé... La possibilité de créer un lien, une relation. On a mis une limite ici. On a mis une limite. Il
Donc là, on me présente un homme passionné qui veut exprimer ses sentiments, qui pense à toi, qui veut partager. Stupide. On s'est déjà vu, on s'est déjà rencontré. Il y a un homme ici, c'est vraiment la présence d'un masculin que je rencontre. Un homme en situation de pouvoir, d'autorité. Il revient. On s'est déjà vu, on se connaît. Donc, il y aurait un homme ici. Stupide, limite. Ici, c'est le chef. Chef. On se connaît, on s'est déjà vu, on s'est peut-être même déjà aimé. Il y a l'idée de la communication qui revient. C'est l'énergie d'un masculin ici. Sur la carte de la relation ici ouverte, vous voulez me dire quoi? Stupide d'avoir quoi? Cessé? D'avoir dit non? D'avoir mis une limite? À une personne. Parce qu'on ne voulait pas s'engager dans une relation à long terme. Bon, là, on nous parle de changement, de transformation. Un homme qui entretenait des relations sans engagement, qui explorait, qui aurait été stupide en refusant quoi ton amour, ton appel du cœur. Tu l'as vu, tu l'as déjà rencontré, cet homme. C'est un homme en situation de pouvoir. Il pense à toi. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'était entretenir des relations sans engagement, ouvertes. Il explorait. Mais là, on est en train de nous dire qu'il est en train d'opérer un changement. Et qu'il veut partager avec toi. Il te regarde. Tu l'as déjà vu, tu l'as peut-être déjà rencontré. Bon, on nous parle d'un changement de travail. Il aurait changé de travail. C'est en lien avec des relations. C'est un homme ici qui nage avec les requins. Donc, je ne sais pas dans quoi il est impliqué. Il a quand même une position de pouvoir. Donc, ici, on nous dit qu'il serait en train d'opérer un changement concernant son emploi du temps. Fascination pour les requins, ça vous dit quoi? Les requins qui nous tournent autour et on est fascinés par... Ah non, pas tout de suite. Je vais explorer la zone là, de relation, travail... Travail, relation sans engagement. Changement de travail. Communication.
avec une fille. Une fille qui communique. Voilà, je pense que je vais éternuer. Mais c'est la fin des communications avec cette fille au téléphone. Il y avait une relation ici. Est-ce que c'est une relation de travail? Il y avait un lien ici. Les communications, mais c'est terminé. On n'échange plus avec. Le plaisir, plaisir avec les femmes, les filles. Plaisir avec les femmes, les filles. Il y a un lien avec l'occupation, le temps. L'occupation du temps, le travail. Il y a quelque chose là, ici, là, de nébuleux. Relation sans engagement, c'est en lien avec le travail. Il y a du plaisir. On passe des beaux moments ensemble. C'est un travail. Ça l'occupe. Mais là, on nous dit quoi? C'est terminé. Et cet homme te regarde. Te regarde. Oui, il a mis fin à une relation ou à un travail ici impliquant des relations sans engagement. Insatisfaction ressentie au sein de la relation et au sein du travail. Ici, je peux l'interpréter aussi d'une autre façon, comme si on me présentait un homme qui était en communication. C'est sur le lieu du travail avec une femme. C'est une relation sans engagement et... bien là, il a mis fin à cette relation parce qu'il ressentait quoi? Des insatisfactions. Il n'est pas bien dans cette relation, dans cette situation. Donc, il opère un changement. Mais je rencontre aussi une histoire de travail en lien avec des relations ouvertes. Et là, on parlerait d'un changement d'emploi du temps. Il met fin. Il met fin à ce travail. Et il te regarde, il te surveille. C'est quand même un homme en situation de pouvoir. Qui aurait refusé, ton appel, ton invitation, ton désir d'être avec lui. Il aurait refusé. Et c'est pour ça qu'on lui dit, qu'on dit stupide. Bien là, on dirait qu'il veut revenir. Fascination et les requins, vous voulez me dire quoi? Les requins qui nous tournent autour. Bien, il aurait appris. C'est vraiment un homme hein, que je rencontre. Réellement un homme. Il a appris ses leçons. C'est vraiment le masculin. C'est très, très masculin. Il change de travail. Il met fin à un emploi du temps. Il y a des hommes, il y a plusieurs hommes. Et ça rapporte. C'est un business secret dans le secret. Il y a quelque chose ici en lien avec des relations, des rencontres, on a du plaisir, ça rapporte, c'est vraiment un business. Beaucoup d'hommes. Oui. Donc, entouré de requins, là, ici, là, je pense que c'est quelque chose d'illégal. Il y a des hommes. Il y a des hommes. Un business d'hommes. Des affaires d'hommes. Relations ouvertes, rentabilité. Tout se passe dans le secret. C'est caché, caché. Un business caché.
on a du plaisir. Bien là, on nous parle d'un changement. Un changement au niveau de ce travail, de ce business. Il y a vraiment beaucoup d'hommes. L'homme et l'argent. Femme, avoir du plaisir avec les femmes. Des relations sans engagement. C'est ce que je vois. Donc là, ici, on nous dit quoi? Donc, il y en a un ici qui est quoi? Qui est en situation de pouvoir, le chef. Bon, ici, on dirait qu'il veut se rapprocher. Allons-y, continuons l'histoire. Il désire se rapprocher. Il aurait dit non à un cadeau qui lui a été offert. Un cadeau du cœur. Il est passé à côté d'une relation. Parce qu'il avait opté pour quoi, là, ici? Autre chose. Relation ouverte. Mais ici, c'est un business. Il a opté pour un business caché, secret. Ça rapporte, c'est énorme. Vraiment, là, ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc là, il pense à communiquer avec une personne, lui exprimer ses sentiments. Et oui, il veut la rencontrer. Il veut la rencontrer, l'inviter. C'est ça ici, voyez-vous encore la carte cadeau, les fleurs. Il veut la rencontrer. L'inviter. C'est un homme en situation de pouvoir. Il la regarde. Il la surveille. Il aurait manqué de discernement. Il l'aurait laissé passer, celle-là. Mais là, il veut la reconquérir. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Bon, attendez là, je prends mon temps. Je commence à avoir chaud. Donnez-moi une minute là, mes cartes sont toutes mélangées. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Il veut la rencontrer. Quand elle est passée, il ne l'a pas vue. Il était ailleurs. Il était dans ces histoires-là ici, secrètes. Un business caché. Ah oui, il y a beaucoup d'hommes là-dedans. Bon, là ici... Bien, on nous présente quoi? On dirait que c'est comme s'il la reconnaissait. Il veut la respecter. Oui. Ah oui. Là, ici, là, il veut s'engager. Et il est prêt à s'engager. Il veut s'engager. Dans le passé, il n'était pas prêt à s'engager. Là, il veut s'engager. Il veut l'inviter, la rencontrer. Eh oui, c'est comme s'il la voyait. Ah oui, on dirait qu'il veut même la marier. Ça peut aller loin, là. Ce sont ses intentions. C'est un homme passionné. On dirait un amoureux fou. Un amoureux fou. Il est fou d'elle. Il est fou d'elle. Eh bien. Il est fou d'elle. Mais elle, je ne sais pas. Je ne sais pas partout ce qu'elle...
Elle va lui dire si elle va dire oui ou non à son invitation. J'en ai aucune espèce d'idée. On pourrait bien le demander. Est-ce qu'elle va dire oui à son invitation? Bien, écoutez, choix sain pour elle. Se respecter, amour de soi, ça va dépendre. Ça va dépendre si tu fais partie de quoi. D'après moi, ici, là, elle, quand je regarde les cartes, elle a fait un choix de mettre un terme à cette relation. Oui, terminé son petit jeu de séduction. Ah non, coup de foudre. Ici, d'après moi, ici, là, jeu de séduction, communication, c'est la fin. J'ai comme l'impression que c'est une femme qui se respecte, qui se respecte et qui va faire un choix sain pour elle. Et ce que je vois, écoutez, même si le désir s'engager, écoutez, là, en ce moment, ce que je vois, là, c'est la fin des tourments. La fin d'un jeu de séduction. On avait affaire à un joueur. Un joueur, un séducteur. Je pense qu'il a manqué sa chance. La fin des tourments, il s'en est libéré. Fin des communications, fin de son jeu. Elle s'est libérée, elle avait affaire à quelqu'un de très rusé. Le charme, la séduction terminée, coup de foudre. Non, aujourd'hui, là, d'après moi, c'est un non. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ah non, on nous présente une personne qui a un ego démesuré. Des énergies de trahison terminées. Il y a une personne ici, une femme qui se respecte. Et oui, une femme qui a choisi de se respecter, qui s'engage envers elle-même. Donc là, écoutez, même si je perçois qu'il la désire, qu'il veut reprendre contact, qu'il veut la revoir, lui exprimer ses sentiments, même si on me présente qu'il est amoureux fou d'elle, bien, j'ai l'impression qu'elle, elle a mis fin. Elle s'est libérée des tourments, elle s'est libérée. Il n'y a pas de communication, elle n'entretiendra pas la communication. Fin d'un jeu de séduction. Il a abusé de sa confiance. Vraiment, on a affaire à quelqu'un de très rusé avec le serpent. Coup de foudre. Mais là, écoutez, c'est parce que ça faisait partie de quoi? Il y a une histoire ici de business. Elle s'est libérée. Elle a fait un choix sain pour elle. Donc oui, aujourd'hui, on dirait qu'il veut la reconquérir, ce chef, ce roi, ce chef, appelez-le comme vous le voulez. On dirait qu'il veut la reconquérir, mais elle se respecte. Fin des tourments. Elle lâche prise. Non. Écoutez, c'est ce que je vois. Elle est ailleurs. Limite atteinte. Je vais demander une carte maintenant, un message de l'univers. Je pense qu'il a manqué sa chance. Il est passé à côté d'une occasion, mais en fait, c'est parce que ce n'est pas ce qu'il avait à vivre. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Il ne l'a pas vue quand elle est passée. Et aujourd'hui, il voudrait la reconquérir, mais elle fait des choix sains pour elle. Elle se respecte, elle s'engage envers elle-même. Elle s'est reconnue à sa juste valeur. Elle se respecte, elle ne veut pas d'un joueur. Il nous dit qu'il a changé, c'est un passionné. Mais écoutez, là, il nous dit qu'elle a changé.
Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu. Dieu, vous pouvez le remplacer par un autre mot, celui qui correspond davantage à vos croyances. Et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. La fin des tourments, elle a mis fin aux tourments. Fin des tourments. Elle a appris ses leçons. Donc, il l'a vu, ils se sont vus, mais d'après moi, non, il n'y a pas eu... Ça n'a pas été long. Non, c'est terminé ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Fin d'une trahison. Ah non, il y a quelqu'un ici. On me le présente narcissique, avec un ego démesuré. Ah non, il y a quelqu'un ici qui dit non. Et on dirait que la personne revient vite, vite, là. On agit vite. Mais l'autre personne, je pense que c'est la femme ici, évite la communication. La fin d'une relation karmique, on a appris nos leçons. La fin des échanges, la fin d'un jeu, un jeu de séduction. On avait affaire à un grand séducteur. Un grand séducteur. Des coups de foudre, des coups de foudre. Non, non. Aujourd'hui, non, non, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Donc, c'est une histoire, on dirait que ça tourne ici, peut-être qu'il la voulait, là, pour qu'elle fasse partie là, d'un travail, là, ici, où il y a des relations sans engagement, qu'elle fasse partie de cette équipe, de ce business, là, secret, caché. Non, non, c'est terminé. Elle, elle n'embarque pas là-dedans. Elle se respecte. Elle fait un choix qui la respecte. Et en ce... cette direction, là, ici proposée, là, un business caché, secret, non, ça ne lui convient pas. Non, elle ne fait pas partie de cette équipe-là. Ah, il y a plusieurs hommes, c'est incroyable ici. Les hommes, l'argent, les rencontres, le plaisir, les femmes, c'est ce que je rencontre ici. Bon, eh bien voilà, c'est ce que j'ai vu. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt!